de luminosité, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Bref, je vais vous changer de place. Je vais vous monter dans l'étage. Hop, luminosité, ça va vraiment pas. Faut que je change. Coucou, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je prépare mon sac pour New York. Enfin, pour l'avion. Ouais. Ben, j'ai pas le sac. Je vais chercher, j'arrive. C'est pour être organisé, papa, tu vois, parce que sinon j'oublie des trucs. C'est celui que je prends pour New York. Ah, t'as compris. Donc voilà le sac. Le sac, il est comme ça. J'ai une poche devant. Poche là. Voilà. Pour ma trousse de toilette, j'ai dit que je prenais pour l'avion. Cette trousse-là. Je vais mettre ça. Oh bah, les filles. Hein. Quoi d'autre? Un paquet de mouchoirs, ça c'est bien, ça c'est intelligent ça. Un élastique, enfin un chouchou, on sait jamais, faut que je prenne un chouchou, ouais. Ouais, j'ai pris. Petit truc qu'on vole dans les hôtels. J'allais dire du papier dans mes notes, quoi. Là pour ça. Oh, du papier mâtifiant. Oh la vache, j'avais oublié le nom. Des petites lingettes trop kiki. Regardez. Vous voyez, c'est un peu. Voilà, c'est des petites lingettes pour démaquiller. Trop mignonne. Ça, c'est des savons. Je parle pas fort parce que il y a ma mère qui est au téléphone à côté. Je peux pas trop la déranger. C'est des feuilles de savon en fait. Vous mettez ça dans votre main, enfin pas toute la boîte, mais une feuille de savon. Hop, vous mettez de l'eau et vous avez du savon. Parce que dans les avions, bah voilà, et encore on dessèche beaucoup dans les avions. Donc ce côté-là, c'est plutôt les gros trucs et tout. Donc c'est fini. Après, je pense que j'ajouterai encore 2-3 trucs la veille. Déjà, ça. Alors ça, c'est miraculeux. Bon, là, je les ai finis. Mais... Donc là, il n'en reste plus que 4. Mais je mets des cotons-tiges et ça me permet de ne pas les perdre et qu'ils se salissent avec la poussière. Oh, ça, c'est miraculeux. Oh là 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 là. Et ça me gratte aussi. Mon ongle, il part. Et on cacahuète. Après, bah, ma brosse à dents. Sachant que j'ai des bagues, donc j'ai même pas eu besoin de l'acheter. Ça, c'est pratique. Hop. Avec le mini dentifrice. Voilà. C'est trop pratique. Et après, t'as juste à refaire. Et voilà. Trop pratique. Un miroir pour m'admirer. Ah ouais, je vais prendre un miroir. Avec des baguettes, puisqu'on est une star. J'en ai pas une qui est plus remplie. Un sérum pour les lèvres, mais j'ai remplacé en mettant un sérum pour le visage. Parce qu'il fallait en miniature. C'est trop mignon. Comme pour les mains qui sont incroyablement bons. Ça sent bon. Et ça me gratte aussi là. Ouf, ça me gratte. Des pinces pour tenir les cheveux quand on fait sa skincare. Encore. Un élastique. Oh, j'en cherchais un comme ça. Trop bien. Sur ma peau bronzée. Ni ma honte. Miniature. Des trucs pour coiffer les sourcils que je n'ai pas. Pourquoi j'ai pris ça?
Virginie Malu. Bonjour. Oui. Allô. Une petite brossette puisque j'ai des bagues, du coup, bah. Mais regardez, c'est. Là, là. Faut passer entre. Enfin, bref, du coup, j'ai ça. Ça, c'est au cas où tu pues de la gueule. Voilà, tu prends c'est des feuilles de menthe. Un baume à lèvres à l'aloe vera pour bien hydrater. Et alors, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une brosse peigne. Vous imaginez? Là, t'as. Bah, là, t'as une brosse. Voilà. Comme ça. Et là, t'as un peigne. Et après, vous pouvez le replier, le mettre dedans. Et fermer votre trousse. Bon, là, je vais pas mettre tout dedans puisqu'il faudra que je réorganise. Déjà, là-dedans, je vais foutre du parfum parce que ça pue la mort. Ça pue les cahiers. Et j'aime pas les cahiers. C'est mon sac de cours de base. Bref. Donc, il y aura d'autres truc, hein. Il y aura déjà notamment ma tablette avec ma tablette peut-être pour dessiner mais je sais pas encore un carnet de vacances, un cahier de vacances pardon, et un carnet d'architecture. Je vous le montre rapidement. Alors déjà j'ai dessiné une table, donc en fait c'est une table où on peut mettre une plante dedans, donc voilà, j'ai montré à peu près. Voilà, oui, c'était l'hôtel dans lequel j'étais en Grèce. Et j'aurais piqué leur truc. D'ailleurs, il faut que je le découpe. Donc, pour commencer, donc j'avais dessiné différents types d'escaliers. Voilà. Jugez pas, hein, je ne sais pas forcément bien dessiner, mais bon. J'ai fait du mieux que je pouvais. Après, j'ai essayé de faire des textures. Ne jugez pas non plus. J'aime beaucoup le feu. Voilà, et là, j'avais noté 2-3 trucs. Bref, là c'était des tissus que j'avais collés, des bouts de tissus que j'avais en fait, de chez Action. Donc, trop beau. Waouh. Alors ça, j'adore, c'est toutes les lampes que j'ai dessinées. J'adore celle-là et celle-là. Elles sont juste, waouh. C'est pas une blague. Ouais. En vrai c'est particulier, mais vas-y, j'aime bien. En fait c'est les couleurs. Et là, j'avais fait les harmonies de contraste complémentaires. Tadam! Et c'est tout. Je crois que j'avais rien fait après. Ouais, non, j'avais rien fait. Enfin, bref. Donc, du coup, ça, faut remettre. Non! Oh non, bah il n'y a plus de carton. On referme avant de faire d'autres bêtises. Donc après j'ai une petite trousse avec plein de feutres et tout. Je mettrai, pardon, mon chargeur de téléphone, de tablette, mes écouteurs sans fil. Mais en fait le problème c'est que là-bas je pourrais pas écouter de la musique. Parce que bah enfin faut être en wifi, bref. Du coup là je pense que dans l'avion je vais, bah après cette vidéo d'ailleurs, je vais faire plein d'enregistrements d'écran. Je sais pas si vous connaissez, bah et en gros je vais enregistrer bah, des musiques. Comme ça bah je les aurai. Même si je peux pas. Parce que moi, je suis Aline et j'ai que YouTube. Je sais pas, vos trucs là, Spotify. Je connais pas. Après, je pense que je prendrais peut-être des barres de céréales ou des fruits secs ou je sais pas quoi. Ouais, ça c'est bien ça. J'ai perdu. Ouais, ça fait mal. Non mais oh, il est où mon trou? Mais je vous jure que j'ai perdu mon trou. Oh, j'ai eu peur. Oh, mon Dieu. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de boucle dorée.
Elles sont belles, hein. Belles. Où est-ce que j'en étais, moi, déjà? Ah oui. Ça, donc la nourriture. Enfin, des barres de céréales, quoi. Après, je pense qu'il y aura des tablettes dans l'avion. Sur le truc. Rassurez-moi. Sinon, je vais faire une syncope. Bref. Non, si je pense. Après, bah, bien évidemment, une gourde d'eau. Parce que, bah, leur eau, en plus, faut pas boire l'eau là-bas. Déjà, tu payes. Je pense que je ferai une vidéo pour dire combien, à quel point c'était bon et tout. Mais j'ai trop peur de voir l'avion, de voir la tête de l'avion. Qu'est-ce que je voulais prendre déjà? Ah oui. Donc, du coup, je voulais vous montrer un petit peu près. Je vais regarder l'aperçu du voyage. Il y a une phrase derrière, j'adore cette phrase. Oh! Le voyage est la seule chose qu'on achète qui nous rend plus riches. Plus riches de connaissances, du coup. Voilà, roadbook. On va prendre le programme. Déjà, rien que comme ça donne envie, s'il vous plaît. Donc, je fais du 6 août jusqu'au 31 août, le voyage. C'est comme ça. Donc, là, j'arrive à Toronto d'abord. Je vais à Toronto, après, je vais au chute du Niagara. Après, je vais à Mille Isles. Après, je vais à Ottawa. Après, je vais au parc Mont-Tremblant. Après, je vais à Montréal. Montréal, je vais à Boston. Et Boston, je vais à New York. Ça fait beaucoup de destinations. Cette page, c'est littéralement ma préférée. Regardez là, il y a quoi? Un hélicoptère. Alors, on va lire cette page. Activité croisière aux chutes du. Oh! Croisière au pied des chutes du Niagara. Fournisseur, ok, numéro de téléphone, point de rendez-vous, Niagara, ok. Stationnement payant, soyez attentifs au Niagara Falls. La croisière se situe du côté canadien. Vous ne devez donc pas passer par. Avec les États-Unis, présenter le code QR, ok. Après, bah, j'ai l'hébergement. Vous n'allez peut-être pas voir, mais là. Là, il y a les chutes du Niagara. Et genre, là, il y a un hôtel. Et c'est là où je suis. C'est pas un truc de ouf, ça? Oh, si, c'est un truc de ouf. Après, votre activité, bah, c'est survol des chutes du Niagara en hélicoptère. Niagara tout. Horaire 17h, durée 9 minutes. 9 minutes dans les airs. En vrai, je pense que je vais avoir peur. Mais j'ai trop hâte. Ok, ça je retiens. Après, bon, bah, on a des hébergements franchement beaux. On va faire une croisière dans les mailles. Regardez. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Nom de Dieu! C'est tellement beau. Wow. Mais même moi, je peux des trucs là. Bon, bref, donc en tout cas, il y a plein de trucs, de d'art et tout. Et je vais prendre aussi. Carnet. Il est pas trop beau. Oui, il est trop beau. Le voyage est un retour vers l'essentiel. Ça, c'est la phrase. Avec une boussole et tout. Bon, bah là, j'ai rien mis, mais. Faut que je prenne une colle. Des ciseaux, peut-être. Que je mettrai en dessous. Une colle, ouais, comme ça, je pourrais coller des papiers, des trucs. Des machins, des bidules.
Voilà à peu près ce que je vais mettre dedans. En tout cas, je vous fais des bisous. Et j'espère que ça vous aura plu. Bisous. Je parle de moins en moins fort, moi. Bisous. Et je vous filmerai bien sûr des choses. Un bisou. À New York.